Ouais, carrément. Moi, si je suis avec des copains qui boivent et que je bois pas, c'est dur, hein. Pire, la clope. La clope, c'est le plus dur. On compte le tabac aussi? Est-ce que je dis le nom des drogues ou est-ce que c'est... T'es pas obligé, en vrai, ça dépend si tu sens qu'il y a une utilité de le dire. D'accord. Mes parents. C'est une bonne... C'est ça. Ça reste quelque chose qui est addictif. Oui, parce que quand tu te mets à fumer, en tout cas, enfin, de mon expérience et de l'expérience de beaucoup d'amis, c'est d'abord en soirée, parce qu'il y a un côté social où vas-y, on sort fumer une clope, ça va avec l'alcool, c'est cool, tu fais monter un peu l'effet et tout. Donc c'est comme ça qu'on commence, en mode ouais, non, moi je fume que en soirée et tout, et après, bah, au fur et à mesure, tu fumes. Quand je pense avoir fait mon quota de bonnes choses dans la journée, de me servir un petit verre de whisky et de le boire devant un film, tu vois. Mais bon, après, moi, je suis le cliché de moi-même, tu vois. Donc, donc j'ai pas de honte à faire ça, tu vois. Mais je bois que du whisky quand je suis tout seul. Et j'en bois pas 5, tu vois. J'en bois un, deux. À la limite, je m'en resserre un fond, tu vois. Mais c'est tout, quoi. Mais je n'y vois pas de, il n'y a pas d'alcoolisme là-dedans. Je pense pas, tu vois. Bah, pour parler plus précisément de l'alcool, ça va être à des buts festifs, principalement. Enfin oui, si, festifs en fait, dans des moments de convivialité, entre amis, en soirée, dans des repas de famille. Et l'alcool, c'est pareil. Si quelqu'un n'est pas bourré, ou si tu t'es sobre à une soirée et que plein de gens sont bourrés, ben, tu te sens un peu à part, tu vois ce que je veux dire? Je prends des drogues, en alcool y compris, parce que ça me permet de passer des soirées plus agréables que si je ne prenais rien du tout. L'idée que la drogue ou l'alcool désinhibe ton potentiel social. Je prends pas de drogue, hein. Ok, moi bah, c'est cool. Bah du coup, merci. Pour ma part, je dirais que ça a clairement un gros impact par rapport aux gens que tu vas fréquenter. Je pense que ça me rend sociable déjà, ou ça m'enlève un espèce de masque. J'y ai réfléchi la dernière fois, je me suis dit, est-ce que alors, le fait de prendre une drogue et d'avoir toute cette parano ou toutes ces pensées internes qui te traversent quand t'es sous drogue, ou beaucoup moins sous alcool, mais sous drogue, genre, c'est pas ce que tu bloques toute la journée. Et que là, vu que t'es sous drogue, ça te permet d'y penser, ou juste qu'elles sont moins bloquées par ton quotidien. J'ai arrêté de boire de l'alcool. J'ai eu un accident de moto. Et par rapport aux médicaments que je prenais, par rapport à la gravité de l'accident aussi, c'était pas du tout recommandé de boire pour que ma jambe puisse se reconstruire. Et finalement, je crois que j'ai bu une fois en sortant de l'hôpital avec mes parents, c'était un déj. Je suis resté hospitalisé une semaine. Et j'avais droit qu'à un verre de vin. Je me suis dit, oh waouh, il faut que je le boive, genre par micro-gorgée. C'est hyper nul devoir compter les gorgées, je crois que ça m'amuse pas. Bah finalement, pourquoi pas? Pourquoi pas juste pas boire et essayer autre chose? Le temps que ma jambe soit cassée, puis on verra bien. Ah ouais, c'est comme tout le monde, quoi. Enfin, moi, je trouve que j'ai jamais eu besoin d'une drogue ou une autre pour faire telle ou telle chose, parce que je sais que ça a été le cas pour d'autres. Mais en soi, socialement parlant, il y a des moments où enfin, juste l'alcool en général, tu vois, c'est le truc le plus courant. Mais tu bois socialement, quoi, tu vois. Alors, allez, on va boire un coup. Tu vas pas prendre un jus d'orange, tu vois. Ouais, je dirais, je répondrais classiquement comme tout le monde, un peu plus d'extravagance, un peu plus de laisser-aller, un peu plus de ce qu'apporte l'ivresse, hein. En général, l'ivresse de n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'elle m'apporte? Ça dépend des drogues, je dirais. Le tabac, des instants. Le tabac, du fait qu'on fume pas en intérieur, on se retrouve en petit groupe de fumeurs, et donc du coup, il y a plus de promiscuité, plus de moments à partager seul. L'alcool va apporter plus de joie, on va être plus dévergondé, on va se laisser plus aller, à dire ce qu'on a envie de dire, à danser comme on a envie de danser. Ouais. Pour les drogues légales, qui sont autant destructrices, voire plus que les illégales, ça doit être ça. Il y a plein de drogues qui sont faites pour être plus sociables. Il y en a qui sont faites pour être à l'intérieur de soi, et il y en a qui sont faites pour être à l'extérieur de soi. L'alcool, typiquement, c'est quelque chose qui nous permet de sociabiliser plus facilement, mais il y en a d'autres aussi. Il y en a qui l'utilisent exclusivement, enfin au départ, pour ça, en fait, dans ce but-là.
Est-ce que je dis le nom des drogues ou est-ce que c'est... T'es pas obligé, en vrai. Ça dépend si tu sens qu'il y a une utilité de le dire. Mmh. D'accord. Mmh. Mes parents. C'est une bonne... c'est ça. Théoriquement, le côté moral, c'est juste de voir tes potes et de sortir. Mais c'est tellement souvent avec de l'alcool qu'en fait, c'est devenu une tradition d'en prendre. C'est pas... En fait, tu penses pas au fait de est-ce que je vais en prendre ou pas, c'est normal. C'est... Beaucoup de pintes, beaucoup de bière. En vrai, je buvais beaucoup. Enfin, je pense que je buvais... Je me posais pas la question de boire autre chose qu'une bière quand j'étais posé à un bar. Pour moi, c'était... Ça faisait partie du moment que je partageais, c'était être avec des potes et boire une bière. Et ça pouvait pas être quelque chose d'autre. Moi, ce qui m'énerve déjà, c'est que tu dois aller pisser constamment, déjà dans un premier temps. Et puis, c'est beaucoup trop social, tu vois, comme drogue, la bière. Beaucoup trop social. C'est camouflé par tout un tas de... Bon, on va se prendre une pinte, ouais. Bon, vas-y, chaud. Et puis, il y a une incitation, wesh. La bière, c'est moins cher parfois que le coca ou qu'un autre soft, tu vois. Donc, tu dis, bon, vas-y, on va se péter une bière. Quand tu vois que le demi, il est à 3,50 et que la pinte, elle est à 4, tu dis, bon, bah, vas-y, je vais prendre un demi-litre, quoi. Et puis, bon, bah, t'enchaînes 4 bières et puis là, tu finis par être bourré, tu vois. Avoir des petits troubles de l'équilibre. La bière, c'est vraiment le plus destructeur. J'ai vraiment vu des gens dans mes amis où ça les a vraiment détruits. Où c'est vraiment l'alcool pas cher que tu achètes en gros pack et tu finis par te mettre une caisse parce que vas-y, tout le monde a ramené son pack ou. Chiap. C'est juste que c'est devenu une sorte de tradition de se dire qu'une fois qu'on a une bière en face de nous, on n'a plus de pression. Donc si t'en as dans ta journée, que t'as passé une journée difficile, le fait de te retrouver face à des bières et un pote, bah tout de suite tu dis ok c'est bon, ça va, c'est la fin de journée, il n'y a plus de pression, ou là j'ai plus besoin d'y penser, c'est une sorte de manière de tourner la page du stress quoi, qui n'est pas forcément réel, hein, c'est dans notre tête aussi je pense, parce qu'il suffit d'être avec ses potes en soi pour comprendre que la pression redescend, mais c'est vrai qu'il y a une habitude comme ça en France, peut-être, enfin oui d'ailleurs ailleurs, mais depuis toujours où l'alcool c'est, ça te fait penser à autre chose quoi, c'est triste dit comme ça. Je dirais que j'essaie de m'échapper de ma vie. Tu sais, tu te dis, ouais, je vais pas sortir ce soir, je suis fatiguée, faut que je dorme, faut que je bosse demain. Et en fait, tu bois tes deux verres de vin et t'es en mode, ouais, je m'en bats les couilles, en fait, du lendemain. En fait, aussi un truc hyper important, pour moi en tout cas, c'est que l'alcool me permet vachement d'être dans le moment présent. Et du coup, d'oublier un peu mes préoccupations de, je dois trouver un stage, je dois bosser, je dois faire ci, je dois faire ça. Et du coup, ça me permet vraiment de me recentrer sur le moment présent et aussi sur les gens autour de moi. Ça fait partie d'un quotidien, d'une certaine façon. Cette sensation de boire une pression bien fraîche après le travail, après une grosse journée, après quand c'est l'été ou autre. Enfin, c'est... Au-delà d'un verre, c'est toute une atmosphère finalement qui se dessine à travers. Maintenant que je commence à vieillir légèrement, bon, scan, j'ai 22 ans, mais quand même, et que je vois des copains à moi qui en ont 28, 30, qui sont installés dans leurs deux pièces en banlieue et qui vont au boulot du lundi au vendredi, la manière dont je les vois boire maintenant, c'est plus pour se retrouver, tu vois. C'est plus pour retrouver qui ils étaient à l'époque, qui veulent leur légère ivresse en after work sous trois pintes, tu vois. Ça y est, je suis de nouveau bourré, je suis de nouveau moi jeune, le moi qui sortait, qui s'en foutait, qui n'avait pas de responsabilité. Je suis de nouveau celui-ci, celui que j'aime bien, pas celui qui est derrière un écran Windows toute la sainte journée. Ouais, à chaque fois que j'ai voulu arrêter de fumer, j'y arrivais jusqu'à ce que je me retrouve avec un verre de... Enfin, une bière et des potes, et là, ça marche pas. C'est obligatoire. Désolée, papa, maman. Je pense qu'il y a aussi forcément un facteur psychologique où, puisque depuis toujours on prend de l'alcool en soirée, on n'arrive pas trop à imaginer faire une soirée sans alcool. Ça doit faire De Niro, sans effet. Je l'ai ou pas, là? Pas trop, non. Non, je l'ai pas trop, hein. Je suis une grosse merde. Et surtout, puisque les autres aussi en prennent, tu vois le comportement des autres changer, et tu vois les autres qui profitent de cette soirée, enfin, du moins, t'as l'impression de mieux avec l'alcool, du coup, c'est aussi mimétique. Du coup, tu vas aussi vouloir prendre de l'alcool parce que tes amis en prennent autour de toi. S'il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de problème. Mais c'est sûr que quand il y en a, du coup, bah, on en prend. Et du coup, ça met dans une ambiance autre, en fait. Oui, ça te, je pense, fait oublier un petit peu. Ça te met dans une ambiance où tu te sens bien. Et tu prends un peu moins la tête. Mes parents, ils laissent, tu vois. Genre moi, je sais, mes parents, ils me laissaient. Hein. Mon père, il m'a servi mon premier Jet 37. J'avais 10 ans, hein.
J'avais demandé, j'aimais bien la menthe. Du coup, il m'a servi un petit fond. C'était super bon. Et voilà, c'est tout. C'est comme ça que j'ai commencé à être alcoolique après. Non, quand j'étais plus jeune, boire, ça impliquait que ça y est, j'allais pouvoir aller parler à des inconnus dans la cuisine sans trop avoir peur d'intégrer les conversations. Alors qu'avant, c'est plus... t'es hyper recroquevillé, t'as pas confiance en toi et tout, et t'oses même pas déranger les autres. Enfin, moi, je viens du sud de la France, dans un petit village dans le 04, où du coup, l'alcool, oui, c'est présent. Il y a le verre de vin après le repas, des événements où il y a de l'alcool très souvent. Tu bois un coup, tu passes à la maison, tu bois un coup. C'est le sud, c'est l'ambiance, c'est festif, c'est le soleil, c'est, voilà, c'est le petit verre qui fait du bien. T'es chaud, ken, déjà. Souvent, c'est « Ah, j'étais bourré, donc j'ai ken », tu vois. En mode, si c'est ça, tu peux pas. Tu vois, c'est un peu chelou. Ça te donne plus de confiance en toi. Je pense que tu t'en fous beaucoup plus du regard des autres parce que tout le monde est bourré, en plus. Donc tu te dis, au pire, ils vont pas s'en souvenir ou au pire... Non, les gens autour, pas les gens que tu kennes. Arrête, tu me fais dire des choses comme ça. Après, je vais faire comme ça sur Instagram, voilà. Non, dès que je suis pas à l'aise en société, sachant que j'ai l'air hyper sociable, mais j'ai une batterie sociale qui est très petite, c'est-à-dire que je peux parler de ouf avec quelqu'un et ça m'amuse, et au bout d'un moment, c'est non, je peux plus parler à personne. Et au contraire, l'alcool, ça me désinhibe assez pour que je puisse recharger ma batterie sociale sans rien. Pour autant, ça va pas vraiment changer mon caractère ou... Je vais juste à la limite me libérer sur des vannes que je ferais pas forcément à tout le monde, mais ça change pas trop mon caractère. C'est juste que ça me redonne de l'énergie pour continuer à parler aux gens, alors qu'en temps normal, les gens me font chier vraiment. C'est compliqué d'avoir une discussion longue avec moi sans que j'ai envie de dormir juste après. Donc ça me pousse à continuer à parler. Mais mon corps avec l'alcool, ouais, il y a ce truc là où parfois je vais calculer plus personne, je vais être dans mon truc à moi. Ça va être même plus un truc sociable, ça va être un truc très entre moi et moi-même, très très personnel. Je kiffe la musique, je me sens bien avec moi-même. Donc ça c'était le côté plus que je recherchais là-dedans. Sincèrement, j'ai jamais essayé. C'est pour ça que je dis c'est aussi une question d'aptitude, mais j'ai jamais essayé de faire une soirée où je prenais rien, pas de drogue, pas d'alcool, parce que j'ai l'impression que si je fais ça avant 3 heures, 1 minute, je suis claquée, quoi. Attends, on peut lui écarter les jambes. T'es trop lourde. T'es bigarre aujourd'hui. Ça me permet de me laisser aller au début. C'est presque un mécanisme, en plus. Enfin, je sais pas à quel point c'est du conditionnement de se dire que parce que j'ai bu, j'arriverai à mieux sociabiliser quand je suis dans des soirées ou même en dîner en famille. Si des gens ont envie de garder, entre guillemets, leur... le fait qu'ils consomment de l'alcool ou toute autre drogue, c'est personnel. Mais là, c'est dans un contexte, je pense, qui est dû aussi à un contexte sociétal. Où ici, c'est dans la culture française de se boire son petit vin de vin rouge après le repas, après le fromage. Voilà. Donc je dirais que ça m'apporte au moins une sorte de sentiment de quiétude, être à l'aise. Ça a commencé pour le social et... Chez moi, c'est resté social vu que je fume pas seule, que je veux pas prendre de drogue seule. Mais après, ça, tu vois, ça se passe entre moi et la piste de dance et les discussions et tout. Je suis plus trop là pour, tu vois, échanger avec les gens. La piste de quoi ? Dance. Danse. Alex, elle est bilingue. Elle fait des études d'anglais, ça se voit. J'aime bien ce truc-là de on roule un bédo, tu vois. Et même quand j'étais sous CBD. Parce que j'avais fait une pause. Je kiffais bien ce truc-là de si toi tu fumes ton bédo, moi je vais fumer mon bédo de CBD et j'aime bien ce truc de je le roule, je prends mon temps pour le faire, tout beau. C'est de l'art. Non, c'est pas de l'art. C'est se droguer, je sais pas si c'est de l'art. Je te donne un petit exemple. Par exemple, pour un open mic, pour monter sur scène, des fois je peux réviser mon texte, genre pendant un jour ou deux jours avant, ou juste sur le trajet, pendant que je vais et tout. Il y a une parole ou un moment que je vais oublier ou autre et tout. Et après, je vais fumer, je vais passer du temps avant de monter sur scène, boire une bière ou deux. Et en vrai, quand je vais arriver sur scène, tu vois, ça va m'enlever mon anxiété, on va dire. Ça va faire partie des choses qui vont m'enlever mon anxiété, par exemple, tu vois. Parce que c'est marrant. C'est pour décompresser aussi. Toute la semaine, tu bois pas. Enfin,
dans mon cadre de vie, c'est je bois pas toute la semaine ou de temps en temps si il y a l'occasion, quoi. Mais c'est aussi tu décompresses, genre tu danses, tu profites, tu et cette substance, elle t'aide à lâcher prise, je pense. Mais c'est dommage d'en avoir besoin. Parce qu'il faudrait aussi apprendre à lâcher prise sans ça. Ça peut être pas mal. T'es libéré, tu vois. T'as un truc où. Enfin, il y a un moment créatif où pendant un moment. Genre, j'oublie tout et je suis focus sur mon truc et je veux passer des heures sans calculer le reste. Et je sors de là et je dis ok, je pensais avoir passé une heure, ça en fait 3, 5. Et du coup, t'es hyper productif. Imaginons que même moi, par exemple, je ne suis pas consommateur de plein de drogues diverses et variées de manière régulière et autre et tout. Si j'arrive dans un environnement et qu'il y a des gens qui consomment de la drogue de manière diverse et variée, forcément, moi, je vais mettre une barrière, alors qu'eux, ils n'ont pas cette barrière-là, tu vois. C'est pour ça que je te dis ça aussi, tu vois. Finalement, des fois, on a l'impression que ça nous rassemble, mais en réalité, ça peut aussi nous pousser dans une certaine sorte d'isolement. Parce que l'alcool désinhibe, mais je pense à certains niveaux, te pousse dans une réalité qui est plus tellement celle que t'as l'impression de vivre, je pense. Et là où t'as l'impression d'être super ouvert, finalement t'es peut-être super enfermé sur toi-même et sur une fausse réalité que tu t'imagines vivre. Ouais, ça m'apporte du lien, je dirais. Soit du lien, soit des plus grands, à une plus grande appétence à respirer, danser, vivre pour de vrai, quoi. Entre grosses guillemets. Mais pour le coup, tu peux pas le faire sans, du coup. Mais je pourrais le faire sans. Et c'est même le but, un peu, c'est d'arriver à le faire sans. C'est juste... En fait, les drogues, c'est des facilitateurs. C'est ça, moi, comme je le conçois. C'est juste des manières d'accéder plus rapidement à quelque chose que tu aurais eu par le travail. Après, je trouve pas que ça m'ait apporté en mode... ça a changé quelque chose chez moi qui fait que j'ai une meilleure sociabilité ou autre. Genre, c'est plus un accompagnateur de moments sociaux pour moi. C'est plutôt de l'expansion vers l'extérieur et c'est encore mieux quand c'est vécu tous ensemble, je trouve. Je trouve qu'avec l'alcool, t'es hyper fixé sur la personne. C'est-à-dire que elle te parle et t'es hyper fixé sur la personne, t'oublies tout ce qu'il y a autour, t'oublies tout ce qu'il y a dans ta propre tête et t'es hyper hyper concentré juste sur le moment présent, sur l'échange que t'as avec cette personne. On va pas sortir forcément pour boire, c'est pas le but, mais du coup c'est comment on appelle ça, un outil dans cet amusement là convivial. En fait, c'est un peu comme un espace où tout est permis, tu vois, et en fait les règles qui s'appliquent en général dans notre quotidien, t'as l'impression qu'elles tombent un peu d'une certaine manière. Aussi tout un côté tradition et un côté familial aussi qui rentre en compte, tu vois. Genre, tu peux arriver dans des endroits où ils boivent beaucoup, mais ils vont boire certains types de vin ou certains types d'alcool plus ou moins variés parce qu'ils aiment bien le goût, parce qu'il y a toute une mise en scène avec le fait de boire et tout. Et puis il y a les autres types de soirées les autres types de moments en fait où tu vas plus boire pour avoir les effets de l'éthanol dans ton corps, tu vois, et être bourré et tout. Je vais dire que ça me facilite à aller sur le dance floor, tu vois, mais c'est pas mon initiative première, tu vois, que d'aller danser et tout ça. Mais après, j'ai pas les mêmes skills qu'Alex sur la piste de dance, bien sûr. C'est une conséquence de mon manque de skills. Moi, je préfère parler. C'est vraiment l'alcool, s'il est pas pris au mauvais moment, tu vois, et que ça crée pas des effets négatifs. Ça va plus me permettre de sociabiliser, de vouloir... Des fois, je peux même être chiante à vouloir intellectualiser tout et avoir des conversations hyper... trop philosophiques. D'ailleurs, ça la saoule, tu vois, le petit... c'est... non, Reb, là, j'ai pas envie de parler. Et voilà. Moi, j'ai envie plutôt d'aller conversationner avec les gens quand je bois. C'est un moment sociable agréable aussi, tu vois. Mais c'est pas un truc dont j'ai besoin pour passer un bon moment. Je peux m'en passer. A contrario, à des moments où... J'étais sobre autour de gens bourrés et ça m'éclate, tu vois. Ou même avec des gens encore sous autre drogue. Moi, je suis là et je peux être sobre ou beaucoup moins défoncé qu'eux et c'est quand même des bons moments. Mon père, il m'a vu bourré à partir du lycée et on en rigole ensemble. Je l'ai vu bourré très souvent, déjà quand j'étais petite, mais enfin, très souvent. mais il n'est pas alcoolique, mais je veux dire, je l'ai déjà vu dans un état festif, tu vois, avec ses potes et ses frères et sœurs.
et c'était toujours hyper joyeux, quoi. Bah, tu le sens quand t'arrives dans une soirée où il y a des gens souqués et que toi, t'es soit avec un petit bédo ou soit avec de l'alcool, tu sens que t'es pas dans le même mood qu'eux. Après, ouais, même niveau conversation, peut-être tu peux te sentir décalé et t'as envie de les laisser dans leur trip, tu vois. C'est pas en mode jugement, je vais pas traîner avec vous parce que vous êtes souqués. C'est en mode, je ressens pas les mêmes choses que vous à ce moment-là. Et ça se voit que vous êtes dans le même monde, je vais vous laisser tranquille, quoi. Je pense aussi le fait de savoir que toutes les autres personnes autour de toi ont consommé la même chose fait que tu vas aussi beaucoup moins te préoccuper de leur regard. Parce qu'imagine si t'étais seul bourré à une soirée, si t'étais le seul, ou même pas bourré, si t'étais juste le seul pompette à une soirée, moi sincèrement je me sentirais trop chelou. Enfin, du coup j'aurais l'impression que les gens me jugent et que les gens sont conscients de mon état. Et encore pire si je prends de la drogue. Enfin, ça dépend grave des gens, mais moi, je peux vraiment pas prendre de la drogue et avoir des gens qui ont pas pris la même chose autour de moi. Et du coup, j'avais déjà dû faire deux fois trip sitter. En gros, c'est la personne sobre, puisque moi, je voulais pas en prendre, qui surveille si jamais il y a un problème ou s'il y a quelqu'un qui se sent pousser des ailes et qui veut sauter par la fenêtre, on sait jamais. Hein. Mais... la première fois que je l'ai fait, vu que j'allais pas très bien, j'avais pas trop kiffé, j'étais en mode vas-y, ils sont tous chiants, ils sont complètement cons sous trip là. Un peu en mode waouh, les trucs qui bougent. Moi j'étais en mode ouais. Et du coup, ils sentaient que j'étais pas bien et quand ils me voyaient, ça les angoissait limite. En fait, que tu sois consommateur ou pas, être avec des gens qui consomment, il faut faire un effort de sociabilité. L'effort le plus court, c'est de prendre la même substance. Tu seras dans le même état, plus facile de se comprendre. Mais si t'es sobre, Ça t'empêche rien de comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, quand t'es drogué, sur n'importe quelle drogue, tu fonctionnes pas naturellement. Tu vois, il y a des trucs, il y a des fonctions cognitives qui fonctionnent beaucoup moins. Si toi en face, t'es pas là en mode, ok, lui il est sur tel fonctionnement, bah, tu vas pas le comprendre et du coup, vous allez pas vous comprendre, ça nique le truc et tu passes une mauvaise soirée, tu vois. Ça a filtré des gens, je pense, indirectement. Indirectement, bah parce que il y a des types de soirées auxquelles je vais plus, tu vois, il y a des types de moments auxquels je vais plus. Et ouais, je pense que ça a filtré la qualité de certains moments. Des potes où le but de se voir, c'était juste de boire des pintes et rien faire d'autre. Et finalement, quand tu les vois sans boire, tu te rends compte que bah c'est pas si intéressant que ça. Bon, bah la vie, elle fait son tri, tu vois, d'une certaine façon, et c'est ok. C'est ok, autant pour moi que pour eux, tu vois, il faut pas se forcer des fois aussi. Mais la deuxième fois, j'allais grave bien, et j'étais grave en mode oh, ça va être drôle, et c'était super drôle. Genre vraiment, j'avais que trop kiffé, genre les voir kiffer, juste et les voir des trucs que je vois pas, et essayer de m'expliquer ce qu'ils voyaient, j'étais en mode ouais, pas du tout, mais d'accord. Et voilà. Donc ça peut t'exclure aussi. Il peut y avoir un décalage entre ta perception. Ouais, il peut y avoir un décalage qui soit trop grand avec les autres, et qui fait qu'au final, socialement parlant, t'as rien acquis à part une sensation, quoi. Quand t'as des gens sous B2 et sous alcool, ça va. Je peux facilement... Enfin, j'ai l'impression que c'est des steps, tu vois, de à quel point t'es sous quelque chose. Comme quelqu'un qui est complètement rabat et toi, t'es à deux bières, tu vas pas forcément avoir des bêtes de conversation avec lui, tu vois. Genre un endroit où il y a quelqu'un qui est sous une substance et d'autres qui ne sont pas sous cette substance-là, qui vont avoir tendance à mettre de côté la personne plutôt que l'inverse. En vrai. Vu que j'ai un peu cette règle de jamais fumer seul ni boire seul, ça va, j'ai plus de... Genre vraiment le fait de partager mon bédo, ça c'est quand même un truc hyper important pour moi, tu vois. Genre s'il n'y a personne qui roule ou s'il n'y a pas quelqu'un qui m'accompagne pour tirer sur un joint, je ne vais pas en rouler un pour moi solo. Hormis un concert, où c'est mon moment où je me tape un bédo tout seul si je vais dans ce genre de trucs-là. Mais parce que je vais en concert solo aussi. Si. Et c'est vrai que d'expérience en expérience, ça m'a énormément appris. Par exemple, je me suis mis à aller beaucoup à des concerts tout seul. C'est une expérience qui est trop chouette. Et je me suis surpris en fait au fur et à mesure. Au début, genre, je n'osais pas danser, tu vois, j'étais un peu timide de ça. Mais c'est nul, en soi, en concert, on regarde pas les gens qui dansent à côté de nous, on regarde l'artiste, tu vois, mais j'étais un peu, genre, gêné. Et finalement, bah, petit à petit, je me suis mis à adorer, genre, danser et kiffer mon monde tout seul, en étant 100% lucide et conscient du moment que je suis en train de vivre, et sans qu'un quelconque désinhibant en fasse partie. Il y a un côté placebo aussi, parce qu'il y a des études qui ont montré qu'en gros... En gros, tu donnes un verre d'alcool, enfin, pas juste un verre, mais tu donnes de l'alcool à un sujet... Et à l'autre sujet, tu lui fais croire que tu lui donnes de l'alcool, mais en fait, il n'y a pas d'alcool dans la substance que cette personne en gère.
Et les deux personnes reportent la même chose. Les deux personnes disent qu'elles se sentent plus désinhibées, qu'elles se sentent plus libérées. Et du coup, il y a aussi quand même un facteur psychologique qui fait que quand tu bois, non seulement ça a un effet sur toi, désinhibant, et ça c'est un fait, mais ça a en plus un effet psychologique où tu te dis, puisque tu te dis que tu vas être plus désinhibé, en fait, tu l'es d'autant plus, tu vois. C'est peut-être aussi placebo. Hein. Peut-être que c'est complètement parce que j'ai l'impression que en étant un peu pompette et je serai comme les autres et que du coup il y a moins de jugement, il y a moins de peur, il y a moins de... T'as besoin de créer un personnage pour plaire à quelqu'un. Enfin plaire, être accepté quoi. Donc ouais, je fais grave partie de ce cercle vicieux de l'alcool. En fait, je dirais qu'en fonction de l'âge, de l'environnement et des personnes que tu côtoies, ça peut être soit avantageux, c'est-à-dire que tu vas arriver dans des endroits où il va y avoir des gens parce que en fait t'as une dégaine de fumeur ou parce que t'es en train de fumer ou parce que ceci ou parce que cela, les gens ils vont te prendre de manière améliorative, mais dans d'autres circonstances, parce que pour ces mêmes raisons-là, en fait, tu vas être mis de côté ou on va mal te regarder. Ouais, j'arrive, je tape une bière. S'il y a que des trucs moins soft, je vais faire un petit verre et puis après je vois comment ça se passe et je vais fumer plein de clopes parce que je préfère les fumeurs. Je pense que quelqu'un qui décide d'arrêter de boire et qui a pas de raison, il va se prendre tous les reproches du monde de tous ses potes parce que malheureusement c'est comme ça que ça marche. Les gens sont pas très ouverts au fait que les gens autour d'eux arrêtent de boire parce que ça les ramène grave au fait que eux ils ont un problème avec ça et qu'ils se l'assument pas pour beaucoup. Quand t'es le seul à pas prendre, tu te sens out du groupe. Donc forcément ça voudrait dire que t'es pas dans le groupe qui prend la même chose. Par contre, il y a des gens qui vont jusqu'à insister pour que tu consommes aussi, pour pas eux se sentir seuls dans leur consommation aussi, j'ai l'impression. Les gens qui boivent pas d'alcool, quand ils sont en dehors du travail ou avec leurs amis, ils sont un peu jugés. Quelqu'un, tu lui dis « Ah, mais tu bois pas d'alcool ?» Bah, c'est bizarre, enfin... Mais si, tu vas prendre un petit verre quand même pour te détendre... T'es bizarre, tu veux pas t'amuser avec nous en fait, c'est un peu ce truc-là. Par contre, ouais, si tu veux pas prendre d'alcool, c'est normal, c'est que t'en as pas envie, c'est que tu peux profiter sans quoi. Ça veut pas dire que tu vas pas être fun. Quelqu'un qui serait pas capable de se dire je vais aller à un concert et pas boire une pinte, ou alors quelqu'un qui irait à un date sans boire un verre. Plein de choses, tu vois, où finalement l'alcool fait partie de nos vies à différentes strates. De façon très naturelle, de façon très culturelle aussi. Tu vois, on célèbre un moment en sabrant une bouteille de champagne. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'on a mille occasions de boire de l'alcool tout le temps. Et d'un coup, quelqu'un qui arrête, ça alerte. On se dit, oh là, comment ça, lui, il n'est pas dans la norme? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est rentré à l'intérieur de nos dogmes, de nos codes sociaux. Mais et puis même, on finit même par juger les gens qui en boivent pas, tu vois. Pire bêtise. S'il te plaît, est-ce que tu peux te détruire la santé avec moi? Parce que je me sens pas bien de le faire tout seul. C'est ça que les gens crient en vrai quand ils te proposent de la drogue en soirée, quand ils te proposent un verre en soirée. Il y a plein de sous-textes qu'on veut pas voir, plein d'hypocrisie sociale qu'on évite de regarder de trop près parce que sinon ça serait trop réel et ça casserait le charme. Mais en vrai, si on boit avec quelqu'un d'autre, si on trinque, c'est pour qu'il y ait un autre verre en face de nous et qu'on se sente moins coupable. Je crois que c'est ça en vrai dans le fond. On peut être addict à l'alcool, c'est une addiction. Et même genre un verre par jour ou même moins que ça. En fait, ça en est une. Et pour beaucoup de gens, il y en a beaucoup qui n'assument pas ça et qui détestent que tu puisses leur dire qu'ils ont un problème avec. Donc le fait de faire un reproche à quelqu'un qui arrête de boire, finalement, c'est essayer de dissimuler le fait que soi-même, on a un problème avec l'alcool. C'est pour ça que les gens qui prennent de la drogue t'en proposent aussi, je pense, c'est pour se sentir moins seul dans leur solitude. J'en connais plein dans mon entourage qui prennent de la drogue en solitaire... Et c'est pas qu'un peu, quoi. Et c'est là où tu t'inquiètes pour tes amis. Plus que du jugement, c'est pas... Je juge pas les personnes qui prennent des drogues, c'est plus... Je m'inquiète pour eux. Faut savoir quand boire, faut savoir avec qui boire. C'est toujours mieux, je pense, de boire avec des gens avec qui t'as l'habitude de boire et qui te connaissent, qui connaissent ton ivresse, qui connaissent ton toi ivre, tu vois. Moi, je pense qu'à partir d'un certain âge, faut plus avoir peur de boire tout seul. Je pense pas que ce soit fondamentalement quelque chose de mauvais. Je considère que... Quand t'as des amis, tu traînes avec eux, pas parce qu'il y a de l'alcool derrière et qu'ils te font un état particulier pour pouvoir traîner avec eux ou pour pouvoir t'amuser avec eux. Et c'est là où ça devient dérangeant. Je pense si
s'il y a absolument besoin d'alcool et que sans alcool, c'est impossible de s'amuser, c'est dommage. Parce que ça cache beaucoup de solitude ou de mal-être, en fait. Donc, je pense que c'est clair que je fais pas du tout l'apologie de la drogue. Je vous le dis. Clairement pas. Si t'en prends trop et si toi et tes potes vous en prenez trop, au final, la soirée, elle peut déraper ou la soirée, elle peut se finir de manière un peu nulle, tu vois, ou genre tout le monde se regarde dans les yeux, ou alors tout le monde parle, mais personne s'écoute. Enfin, tu vois, genre d'ambiance de ok, je te parle. Ce qui n'est pas très intéressant socialement, parce que à part gueuler du S l'enfoiré à tout va, et puis ensuite m'allonger dans n'importe quel sofa, n'importe quel canapé à ma disposition, et me réveiller le lendemain matin à 13h avec une barre au niveau du cerveau, la vodka me sert pas à grand chose. Ouais. Ouais, c'est il y a un moment où je me suis dit c'est problématique, tu vois. Parce qu'en fait, je peux le faire sans, mais je sais qu'il y a un moment où je suis grave plus productif avec, tu vois. Mais c'est chiant. Enfin, pour moi, ça me fait chier de me dire j'ai besoin de ça pour bien travailler, tu vois. J'aimerais pouvoir faire la même chose, tu vois, en étant sobre, mais il y a quand même une phase créative qui est super. Enfin, super importante sous drogue, moi j'aime bien, tu vois. Moi, ça marche pas très bien parce que. Comme j'en prends pas beaucoup. J'ai pas besoin de ça. Je sais, moi, c'est l'accoutumance, comme tu dis. Comme j'en ai pas besoin, que j'ai toujours fait sans et que ça va très bien sans, j'ai pas envie de m'en rajouter et prendre le risque d'avoir envie de dormir ou d'avoir de la paranoïa ou l'autre. Toi, c'est l'accoutumance de la sobriété, en fait. Ouais, c'est ça. Genre, mais c'est très bien ça. Bah, continuons ça, du coup. Tu peux te dire, comme je fais de l'aquarelle, j'étais en mode, bon, je vais faire une soirée aquarelle. Ça va faire full bédo plus art, incroyable, le combo de ouf. Et en fait, bah, t'as pas besoin de ça, mais ça peut être une approche différente des dessins que tu vas faire, tu vois. Si tu te lèves le matin et que tu te dis que tu vas faire de l'art, parce que c'est ça dont on parle, parce que la créativité, ça peut être autre chose aussi, mais là, on parle d'art, du coup. Bah, tu vas pas directement, je sais pas, fumer un joint ou boire des bières ou boire du vin, tu vois. En fait, c'est pas... Tu peux pas faire ça tous les jours de ta vie. Au final, ça va avoir des impacts, je pense même sur ton art, parce que ça va avoir des impacts sur ta psyché. Et en fonction de comment je suis, si je reprends et que je suis sobre, que j'ai repris le matin et après la soirée, bah, je vais avoir une perception différente de ce que j'ai fait. Ce qui est assez intéressant, en fait, j'aime bien ce dessin que j'ai commencé, faudrait que j'aille pour le finir. En fait, faut faire de l'art, et l'art sous substance, c'est qu'une partie, en fait, de l'art, tu vois, en soi. Peu importe ce que tu fais, tu vois. Et... Je pense que c'est un peu un mythe aussi de dire qu'il faudrait ou il y ait plus de chances que tu arrives à faire quelque chose de bien en étant sous substance. Le débat, c'est est-ce que quand on est drogué, ça révèle notre vraie nature, celle sans barrière, etc., sociale, ou est-ce que ça change ce qui on est vraiment ? Moi, j'ai vécu avec des personnes qui avait un caractère complètement différent du sien quand il est bourré. En fait, maintenant, quand je me retrouve face à des amis, n'importe qui, où je sens que leur état est modifié par la drogue ou l'alcool, moi, ça me terrifie, en fait. Même si c'est des amis qui sont hyper sympas, hyper... Enfin, le côté bourré, drôle, quoi. Bah, en fait, ça me met vraiment pas à l'aise. Je me dis, OK, maintenant, de quoi cette personne est capable, quoi. Parce que je me suis retrouvée dans des situations où je me suis tellement sentie en danger. Je me dis, mais en fait, tout ce que je pourrais faire... que je fais en temps normal, là, ne marche pas, parce que t'es une sorte d'animal sauvage, en fait, en face de toi. Et là, tu sais plus comment gérer, et tu dis que n'importe quoi pourrait se retourner contre toi et être dangereux. C'est que t'as plus peur du rejet, tu t'en bats les couilles, en fait, sur le moment, tu te dis, bah, vas-y, j'ai envie de faire ça. Et je me demande même si, à ce moment-là, est-ce qu'on se pose la question, je dis, tiens, j'ai envie de faire ça, donc je le fais, ou s'il y a même plus, en fait, ça enlève toutes ces questions, et ça enlève ce truc de... Est-ce que je devrais ou pas le faire ? Ça enlève tout ce questionnement qui fait que d'habitude, tu le fais pas, en fait. Justement, comme c'est à cause de la drogue et de l'alcool, bah, tu peux pas le reprocher. C'est pas vraiment eux, en fait. C'est-à-dire que ça devient une autre personne, qui est toujours dans le même corps, mais cette personne, elle disparaît une fois que l'alcool est parti, donc t'as plus besoin de reprocher, la personne est déjà partie, quoi. Je pense aussi à un truc, si je bois, je vais me sentir presque plus légitime à parler de choses un peu plus intimes. Parce que j'ai l'excuse de me dire, oui, bon, c'est parce que j'ai bu un verre ou deux, et du coup, ouais. Admettons que tu sois pas si alcoolisé que ça, ça te permet quand même de te déresponsabiliser d'une potentielle situation où tu pourrais
avoir été désagréable ou déplacé ou tout ce qui a plus d'implication pour toi sobre, le fait de boire, bah, ça te permet de te déresponsabiliser un peu de ce mal à l'aise-là, ce mal-être. Tu te permets plus de choses. C'est comme si les barrières sociales que tu t'étais auto-imposées ou qu'on t'a imposées se délestent soudainement et que tu es prêt à parler au premier inconnu et que tu es prêt à t'amuser avec des gens que de base tu ne connaissais pas trop. Donc ça va amplifier ton côté social, ton côté... en fait, ça va amplifier, je pense, ton caractère et parfois même ce que... Ça va amplifier... ce que tu aimerais être mais que tu ne veux ou tu ne peux pas être dans le vide de tous les jours, tu vois. Tu te retrouves face à plusieurs personnalités et en fait c'est hyper dur de se dire ok, là tout de suite je sais pas ce que cette personne peut me faire, je sais pas si elle me fait du mal, comment je réagis, est-ce que là imaginons il devient beaucoup trop violent, est-ce que je le laisse dans la rue et je m'enfuis pour ma sécurité, ou est-ce que je deviens mauvaise si je fais ça parce que du coup lui-même va se faire du mal ou avoir des problèmes avec d'autres gens. Donc, vous savez quoi de mieux ? Je suis une connasse si je pars. En même temps, je continue à être une victime si je reste. Est-ce que j'appelle les pompiers ? Est-ce que j'appelle les flics ? Dans ce cas-là, je le dénonce alors que c'est pas sa faute. Et du coup, ouais, maintenant, dès que je suis à côté de gens bourrés, ça me fait du mal, quoi. Et c'est là où je pense que ça met aussi des distances chez certaines personnes. Enfin, moi, personnellement, il y a des gens que je vois plus trop parce que, bah non, enfin, ton alcool... il sait pas faire des choses ouf et je suis désolé, je peux pas. Il y a des gens que j'ai vus sous alcool où genre ouais, complètement là c'est pas eux, tu vois. Mais en même temps ils ont l'air vachement heureux, tu vois. Bon après peut-être c'est fake, mais ils ont l'air vachement heureux. Et c'est ça le problème, c'est là le vice, c'est que genre en mode t'es heureux sous alcool, donc t'arrives à être qui tu es sous alcool. La meilleure soirée que j'ai passée, elle était full sobre. Et ouais, en fait les moments sobres, déjà tu les retiens mieux. Et en fait, ils sont très cool aussi. Je pense qu'il faut passer une petite barrière dans ta soirée de « Ok, je bois pas ». De toute façon, il y a des soirs où t'as pas forcément envie de te mettre rapta et tu vas boire une bière, ça va rien te faire, t'as juste fait une boisson à siroter et t'es pas plus mal, en fait, dans ta soirée. Je veux pas du tout dire que boire l'alcool, c'est être immature, mais peut-être qu'en grandissant, on se rend compte que, en fonction de chaque personne, y a des moments qu'on va avoir... on va plus ressentir pareil et qu'on a besoin de partager autrement. Et là, dans ton cas, comme dans le mien, je pense que c'est une certaine réponse aussi de vouloir aborder des sujets de discussion qui sont beaucoup plus profonds et sincères, dont tu vas te souvenir, qui vont créer vraiment des vrais souvenirs dans ta mémoire, que plein de discussions où tu vas créer des souvenirs qui sont plus brefs, parce que tu peux pas retenir toute une discussion à 10, tu vois. Enfin, sauf si elle est captivante, mais je pense que c'est plus compliqué. Pas si c'est vraiment l'atout, tu vois, pour passer une bonne soirée. Et je dirais que aussi les moments où on consomme de l'alcool ou des drogues ou autre, tu vois, on s'amuse, quoi. C'est d'autres moments où on aurait pu faire autre chose. Si par exemple on commence à se la coller à 14h et au lieu de commencer à se la coller, je sais pas, le soir, tu vois, après manger, après avoir fait une après-midi ensemble, des trucs du sport, je sais pas, n'importe quoi, tu vois. Et c'est pas la même chose, tu vois. Mais après, c'est sûr que les sensations, elles vont être... pas aussi poussé, parce que forcément ça te donne une sorte d'adrénaline en plus, mais j'arrive totalement à profiter sans tout ça. Ça m'est déjà arrivé d'aller en soirée et de sans rien prendre du tout, drogue, alcool, rien, et de quand même kiffer ma soirée, quoi. Ça m'arrive de le faire pas souvent, mais ça m'arrive. En soi, en rentrant moins tard, je me lève beaucoup plus tôt, mes journées sont plus du tout les mêmes. Et les moments sociaux que j'ai perdus, qui étaient des moments de discussion bourrés de 1h à 5h du mat, finalement, je les ai remplacés par d'autres choses qui sont des moments où je me lève tôt le week-end, je fais plein de choses de mes journées, j'ai plus jamais genre la gueule de bois et tout, genre j'ai toute ma lucidité, j'avais mal au crâne, toute ma mémoire, je suis dispo tout le temps mentalement. Si votre jauge de curiosité, elle est là, et que votre jauge de prudence est là, faut l'élever un peu, tu vois. La curiosité peut rester au-dessus, mais faut que la prudence soit vraiment juste en dessous. Merci, Jamy. Je suis sûre que tu pourrais... Moi, je connais Fred. L'otaku, le mec qui lèche les portraits de Britney Spears, là, que vous connaissez. Il est toujours en tournage, autre part. Juste Fred. Fred, déjà, c'est pas mal. Hein. Non, mais lui, il fait jamais le regard. Fred et la petite voix. En fait, moi, je suis trop content de comment ça a changé ma vie, d'arrêter l'alcool.
fondamentalement, genre, ça m'a permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui, et ça a été la plus belle décision que j'ai pu prendre dans ma vie. Mais je suis pas du tout moralisateur envers mes potes qui boivent, tu vois, en soirée, je vais payer des tournées en me prenant moi un coca ou autre, et payer des bières aux potes. Il y a des moments, ouais, j'ai bu un verre parce que c'était socialement le moment, mais c'est pas... ça me permettait pas de passer un meilleur moment. En vrai, j'aurais pu boire autre chose, c'était juste pour faire comme tout le monde un peu, tu vois. Alors qu'avant, en vrai, j'avais trop des soucis de mémoire à cause de ça, tu vois. Parce qu'il y a plein de moments où je rentrais, je savais même plus ce que j'avais dit. Et c'était normal, tu vois, je me disais, bon, de toute façon, c'est la bière, c'est la vie. Mais la vie, ça peut être autre chose aussi. Et il n'y a pas forcément un seul destin qui est tracé de passer tous ces vendredis et samedis soirs à se pinter la gueule. Et finalement, bah, je passe des purs moments en vrai avec les potes. Et même des moments d'exploration aussi en solitaire, tu vois, à faire plein d'autres choses, aller dans des soirées ou autres où je connais personne. Et je me lève tôt et je repasse encore plein d'autres moments. Donc ça a fermé des portes, mais ça en a rouvert tellement d'autres en fait. Juste faites attention.